Bonjour, je suis Greg du restaurant Le Comptoir à Vahagny. Je vais vous préparer une recette avec le produit choisi qui était la pomme. Ça sera donc la dorade salade de fenouil avec un condiment pomme noisette. Alors pour cette recette, il vous faut forcément de la dorade, des citrons verts, des pommes, des radis, du fenouil, de l'oignon célèbre, des noisettes, du jambon cru, du vinaigre de cidre, de l'huile de noisette, de l'huile d'olive. Pour le condiment, il nous faut de la pomme qu'on va tailler en fines brunoises en laissant la peau. On continue par l'oignon cébette. On va prendre que les verts pour le moment. On continue avec des noisettes que j'ai fait torréfier juste avant pour enlever les peaux qu'elles soient plus croquantes. Voilà, c'est encore plus facile. Je vais y ajouter du vinaigre de cidre. J'ajoute de l'huile de noisette. Et j'ajoute de l'huile d'olive. Je mélange tout. N'oublions pas le jus de citron pour terminer. Nous allons attaquer maintenant la salade de fenouil. Pour cette salade de fenouil, il nous faudra du fenouil, de l'oignon cébette, des radis, du jus de citron, de l'huile d'olive. J'enlève la sommité du fenouil qu'on ne jette pas, qu'on met de côté pour pouvoir utiliser pour autre chose. Je règle ma mandoline et je coupe mon fenouil. On va tailler l'oignon cébette en conservant l'oignon pour faire autre chose et on va se servir que des verres. On continue, on va tailler les radis. Une fois le riz taillé, on va passer à l'assaisonnement. Donc un peu de sel, un peu de poivre, ici ça sera un poivre de Timut, mais peu importe le poivre. Du jus de citron. On n'hésite pas le jus de citron parce que ça va permettre le fenouil de rester bien blanc. De l'huile d'olive. Et on mélange. On va passer à l'étape de la cuisson des dorades. Je vous conseille donc d'acheter des filets de dorade directement sur votre poissonnier. Pour ceci, il faudra la plaque à rôtir. On règle le four à 200 degrés en préchauffage. De l'huile d'olive dans le fond du plat. On est généreux pour vraiment pas que ça colle. On met tout de suite du sel dans le fond du plat. Du poivre. On va entailler légèrement la peau des dorades pour que ça se rétracte à la cuisson. On dispose des filets de dorade sur l'huile d'olive dans la plaque. On recommence l'étape d'assaisonnement, un trait d'huile d'olive, du sel, du poivre, et on met au four pendant 5 minutes à 200 degrés. On va passer à l'étape du dressage. Donc on va commencer par la salade de fenouil. Je vous la conseille de la prendre avec une petite baguette pour éviter de prendre trop de jus. On en met généreusement. Voilà. Ensuite, on va poser délicatement le filet de dorade dessus. Le condiment pomme noisette. Et on termine par les tranches de jambon sans trop cacher le condiment. Et voilà, plus qu'à déguster.